Comme promis, on est de retour sur Emerald, on lance la colonie de Gaëtan, retour à Choctule, de bon matin, c'est parti. Peut-on survivre encore longtemps et arriver enfin à faire les prochains préparatifs, hein? Allô? Bon, on en était où? Les défenses avancées, chacun sa chambre, le temple, la prison, la zone de travail, le stockage, les animaux. On avait une construction à finir. Hop, on accélère les choses. Du coup, il faut que je vérifie RB. Et il faut que ça tienne 15 jours. Pause. Les capsules sont arrivées. Yes. Monument construit. Yes. Chambre indigne. Lit royal. Oh merde. Je parie que j'ai pas d'or. Ben non, j'ai pas d'or. Donc je pourrais sûrement pas te faire un lit royal, mon grand. Ah ouais, voilà, ça demande de l'or. Eh ben, tu vas attendre encore un moment. Recherche. Est-ce qu'il manque des choses pour le Ah ouais, acier, plastacier, composants et de l'or. En fait, on est coincé parce qu'il nous faut de l'or. La bouffe. Toujours la bouffe, Alpaga, Boomalop, Megatherium, Kobe, machin, Warg. Oh, ben les ordres sont donnés, vengeance de Warg. Mais il est mort, tu fais quoi? Là, tu ramènes ce que tu as tué, Gaëtan, je ne suis pas d'accord. C'est quoi ces manières? Allez, on réaccélère, il est mort le Warg, hein. L'alerte elle est finie. Voilà. Ok. On est en hiver, c'est pour ça. Ok. Mais quoi dedans? Du coton. Et là le riz. Ok. Bon. Pourquoi 9? Il y en a un qui est chargé peut-être. 253 bières. Il faut qu'on arrive à choper de l'or. Hein. Ah, on va s'arrêter à ça, et là, on va l'arrêter là, pour avoir toujours deux d'écart, et ici, la même. Évidemment, j'ai pas regardé s'ils arrivaient tout de suite ou pas, mais j'ai un peu une urgence. Gaëtan est dehors. Où est Seb? Il est là. Où est Eddie? Elle est là. Où est Lorenz? Il est là. Le problème, c'est que j'ai pas regardé s'ils attaquaient de suite ou pas. Donc, je suis pas contente. Mais ils vont attaquer de suite. Ok. Pause. Alors, Gaëtan, viens ici. Craft, non. Solena, debout, ici. Seb, ici. Di,
Ici, au cas où il s'approche trop. Belzébuth, tu as une carabine de survie, ramène ton cul. Lorenz, la même, ici. Et Verte, tu as une épée, tu vas venir tenir compagnie à Dee. Gaëtan a déjà pris un tir, génial. Alors Dee, ça tombe très bien ma grande. Viens ici la cognée, elle. Alors, pause. Je voulais pas enlever la pause. Toi tu viens me tabasser ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Toi. Tu m'emprisonnes cette chose. Alors, Gaëtan, t'as pris cher à quel point? Quand même pas mal. Je vais te libérer et tu vas... Qu'est-ce que tu fais? Il va quand même tirer. Ok. Ouais, l'autre, il n'est pas encore en fuite. Seb, alors, on regarde. Toi, tu es morte. Toi, tu es mort. Toi, t'es morte. Toi, t'es pas encore tombée. Toi, mort. Toi, choqué, douleur. Seb, capture-moi cette chose. Ben, Dee, t'es libre, en fait. Alors, hop, hop, lui, il se casse, hop, on va remettre play. Stop, parce que là, vous tirez sur votre allié, bande de débiles. Aïe, aïe, aïe. Oh, t'es pas mort? Allez, au taquet, enfermez-moi tout ça. Dance over me. Pause. Attends, parce que... Oui, c'est bien, c'est bien. Allez, j'ai trop de trucs, là. Alors, c'est trop loin. Travail, soin, Solena, Belzébuth. Soigne-toi pour pouvoir soigner les autres, bordel. Faut pas être con. Ok. Oh putain. Oh là là, j'aurais dû les libérer d'abord. Hein. Solena, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? En train de fabriquer un gilet. T'es débile ou tu te fous de ma gueule? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est capable de soigner? Parce que cette cruche là, elle est partie faire autre chose. Mais Gaëtan, il est en train de se faire soigner. Je suis con ou je suis con? Kraft aussi doit se faire soigner. Seb, il a 3. Ce sera très très bien pour soigner des merdes pareilles. Inconscient, inconscient. J'ai déjà mis Solena sur celui-là. Allez, hop. Tu vas me soigner, lui, et toi, tu vas aller te faire soigner. T'en es où, Belzébuth? Parce que... Ah bah, il y en a deux qui sont morts, je crois. Oui. Très en cuisine. C'est en animaux. Et
Il est peut-être encore en train de soigner, donc je vais pas l'enlever. Geôlier, c'est Seb en plus. Mais non, l'autre, il est mort. Donc il risque pas de soigner qui que ce soit. Seb. Bah, en fait, non. Je veux pas les changer, en fait. Ah ouais, c'est vrai, par contre. Pourquoi ça s'est pas mis en automatique ? Granit, ardoise. Je crois pas que j'ai du granit. Hein. 36. Cinq. 25, ok, on a assez. On a déjà tout le monde est soigné. C'est vrai, c'est imagine. Allez, répare l'enclos, ramenez-moi ces bestioles. Merci, salut, salut, comment vas-tu, dragon? Tu vas passer une bonne fin de, lundi. T'es con ? Fini de te soigner, il est débile ? Non, je suis pas d'accord. Ok, pause. Alors, qui a une infection ? C'est toi, je suppose. Oui, c'est ça. Santé. Infection légère au torse. 2.6.1. T'as vraiment intérêt à pas rater ton soin, je te jure bien. Ouais. Bah écoute, santé à toi, hein. Et moi, fatiguée, un petit peu dans le mal, mais ça va. C'est une blague ! Vous foutez de ma gueule ? Dépêche-toi. Ramène-les-moi parce que je vais péter un plomb, ils jouent dans les pièges. Ça commence tellement mal aujourd'hui, quoi. Si vous voulez. Il n'y a personne qui va y aller, hein. Eh ben, désolé, tu mangeras plus tard. Je commence à en avoir marre là. Chacun fait que ce qu'il veut comme il veut. Allez, réveillez-vous. Oui, bah oui, évidemment qu'elle est morte puisqu'elle a été dans les pics comme une débile. Enclos non clôturé. Comment ça ? Putain. Dépêche-toi. Je vais péter un plomb. Un raid et c'est la merde. Il a fallu que ce soit des enfoirés là. Ça y est, c'est fermé. Oui, risque de démence majeure. On sait. Ils vont tous péter un plomb. En plus que j'ai toujours pas d'or. Projet de recherche. Faudra bien que j'en mette un en attendant de pouvoir avancer, en fait. Mais quoi? Allez. C'est lequel? Oui, scanner géologique, c'est bien. Comme ça, ça t'occupe, ça m'enlève un truc. Chambre indigne, c'est normal, monsieur veut un lit royal. Quoi de prévu pour toi aujourd'hui, monsieur Dragontaz ? Un prêteur fouille une situation politique délicate et voudrait se cacher à Bobichoc. Tu pouvais pas m'échanger de l'or ?
Ben, je peux pas la faire. C'est génial. Merde, j'ai refusé une autre quête. Je sais pas ce que j'ai refusé à la place de celle-là. Oh non, restaurer. Voilà, c'est ça. Celle-là, il faut que je la garde au cas où. C'est la quête vers les étoiles. Ok, bon, le mur est refait. Les enclos, c'est refait. Il me faut de l'or. Architecte. Production? Je suppose que j'ai pas encore le scanner géologique. Ben non, je l'ai pas recherché comme une débile. Tu joues sur PC, toi, Dragon? Ben non, tu joues sur PS4. C'est multiplateforme, non, Monster Hunter Rise? Ah non, mais t'as World, toi. Oh. T'as pas envie de t'amuser Super, il y a une psychotique. Et elle squatte la chambre de Gaëtan. Ok. À chaque fois, j'oublie. Et puis, quand je regarde ton pseudo, je sais très bien sur quelle plateforme t'es. Hein, c'est ça le pire. Parce que si, c'est un, si les jeux Monster Hunter sont cross-plateforme et tout, je cherchais des joueurs Xbox parce que j'ai pas encore vérifié s'il était cross-plateforme ni rien et à combien on pouvait jouer. Mais vendredi dans la matinée on teste Monster Hunter Rise qui est sorti dans le Game Pass. Vous avez rien à échanger, vous êtes juste venu voir. Okay. Oui, il est à poil. J'ai dû cliquer une fois de trop. Alors, le traité des forêts. Je ne sais pas ce que je voulais. On va le libérer dès qu'il sera soigné. Pourquoi j'ai plus assez d'énergie? Oh! Mais il s'est passé quoi ici? Mais quoi? Y a personne qui est allé là-bas, ils ont attaqué ici. Mais. Ah ouais, ils vont tous péter un plomb. Je sais pas ce que vaut le Monster Hunter Rise et c'est vrai qu'on n'a pas le DLC du coup dans le Game Pass, mais ça pourrait faire un bon jeu pour se marrer en multi. Et là, j'attends juste vendredi matin et j'attends juste des nouvelles de Gaëtan et Lucas. Déjà savoir si pour Lucas le jeu tourne sur sa console, enfin si sa cote tient le coup. Et pour Gaëtan, savoir à quelle heure il sera dispo et si pour de vrai. Façon, ici, après ma session RimWorld, il y a quand même beaucoup de chances que j'essaye d'aller farmer un peu parce que j'ai toujours pas fini de tout préparer pour. J'ai pas fini de tout préparer pour le dragon. J'aimerais bien essayer de prévoir ça dans ce week-end qui vient ou le week-end d'après. Bon, je vois déjà que que Verte n'est plus psychotique. Trouver la paix, et pourtant j'aimerais guérir.
j'écoute. Quand j'ai mal à la vie, quand je veux, oui, je fais le 36, 15 bonheur. Bon, bah, malheureusement, déjà, il n'y a pas l'air d'avoir d'or là-dedans. Allô, allô. Allô, allô. Oh, je fais le 36, 15 bonheur. Allez, casse-toi. Ok, ah bah non, Verte n'est plus dans un état psychotique. Seulement maintenant, il reste encore Lorenz. Hein. Trouver la paix, pourtant j'aimerais guérir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 7 chambres, mais... 10... Ah, et j'ai encore une chambre de libre, hein, ça va? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô, je fais le 36, 15, bonheur. Le 36, 15, alors, 36, 15, bonheur. J'ai dit que je ne voulais pas d'arbre de ce côté-là. Il est hors de question que s'ils survivent à mon chemin de pique de l'enfer, qu'ils puissent se planquer. La nourriture se fait rare. Inanition. Qui est en inanition? Bah, ta faute. Animaux d'enclos affamés. Bah, tiens, en parlant des animaux... femelle de 10 ans qui n'est pas gestante. Au revoir. Ça, c'est un mâle. Pause. Je suis en train de réfléchir. Donc, Mufalo 1, c'est la femelle de 10 ans. Ça, c'est un mâle. Là, on a femelle. Femelle de 14 ans. Non, mais on va garder celle de 10 ans. Et enlève! Ah mais elle est déjà morte. Toi, parce que j'ai un autre mâle qui arrive et du coup on va enlever la femelle de 14 ans. Ça fera de la bouffe. Onde psychique apaisante femme. Alléluia, c'est cool. Allô, allô. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô. Il n'y a plus que des trucs qui crament, mais il nous faut de la bouffe. S'il faut, je ferai des mini-zones pour aller éteindre les incendies, tant pis. Où est-ce qu'ils sont, ces enfoirés d'explosifs? Ça va pas tarder à foutre le feu, donc... Elle l'a tabassée, la connasse. Hein. Pardon. T'es où, Gaëtan? Tu chasses. Kraft, t'es censé être toujours par ici. Qu'est-ce que tu foutais? Tu minais. C'est pas grave. Ah, ça a bugué du coup, il a mis chasser les trois cerfs et pas le reste. Ben là, je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Approche d'urgence.
Alors, la navette de l'Imperium éclatée a subi des dégâts et cherche un endroit où se poser. Son commandant veut atterrir. Indigènes des traités de la forêt attaqueront l'endroit où la navette s'est écrasée. Ça peut se revendre, ça, on va le faire comme ça. Cruiser les apprivoiser. Non mais sérieux ! Oh oui ! Mais oui ! Je suis heureuse, merci ! Merci ! Pour une fois ! Pour une fois que les choses se passent bien ! OMG ! OMG ! Merci, ils sont dans ma base, ils sont pas dehors. Les ennemis, normalement, ne pourront pas passer. Je vais y arriver, merci. Oui, c'est ça, venez, venez. Regardez, il y a un mur de pièges qui vous attend. À part tous les endroits où les mufalos sont allés suicider, mais... Alors, d'où est-ce que vous attaquez? De là. Oh. Allez, on regarde le spectacle. Touk, 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 demi-tour. Pause. Alors, est-ce que tu es mouru? Oui. Est-ce que tu es mouru? Oui. Et tu es mouru? Oui. Ok, allez. On peut pas rêver mieux, là? Attends. Ok. Alors, du coup, ça, c'est pour démonter. Donc, les autres, ils sont partis. Il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de l'or là-dedans. Hein. Je crois que c'est le dernier bloc qui me reste réellement. Ouais, je peux encore miner ici, mais c'est pas... non. Oh, quel con. Ok. Bon, on a rajouté plein de minage, il faut qu'on prie le temps que les recherches avancent et on a de nouveau de la bouffe. OMG. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu joues! L'autre, je me suis dit, je l'ai oublié en mode.
Éclipse, yes! Bon, heureusement, ça n'a pas d'incidence, l'éclipse. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et bonjour Chiro, comment vas-tu? Bam, 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 ça avance, hein? Quand les trucs se passent comme on a prévu, c'est cool. Je vais quand même revérifier que j'ai pas fait de conneries. Femelle, femelle, mâle, femelle. Il y en a une qui est enceinte en plus, et lui, il faut juste qu'il grandisse, donc on est bien. Aucun maître pour toi, en fait. C'est mieux. Bah écoute, ça va, doucement, doucement, mais ça va. Bon, un peu triste parce qu'encore une fois, en moins de 2 jours, il n'y a plus de neige, hein. Contrebandier d'Edo. Oui. Seb, de suite. Désolé pour ta nuit. Mais de suite! Alors, qu'est-ce que je peux te vendre, toi? Un harmoniseur psychique et on verra si je veux te vendre des bières en plus. Est-ce que t'as de l'or? Il a pas d'or, il a que de la merde. On va juste lui vendre ce truc et prendre la thune. Et il me faudrait des vendeurs de l'espace là. Il me faut de l'or. Il me faut combien d'or exactement? Que je dise pas de. Je me trompe toutes les touches. Je vais tout regarder, hein. Alors ici, il m'en faut 50. Et il me semble que pour ma table de travail là, il m'en faut 20. Ça. Donc il m'en faut 70. Bam 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 bam. Et quoi, t'es pas en cours là, Chiro? J'y pense. T'as pas école? Des nouveaux amoureux et des visiteurs. Qui sont les nouveaux amoureux? Selena et Lorenz. Et puis oui, évidemment, on a des visiteurs. Ouais, si toi t'as de l'or, je sais pas ce que. Ça m'étonnerait, mais bon. Il a beaucoup de choses, lui. Il a même une armure de plate. Attends, parce que je peux te filer ces merdes là. M'en fous de rien en tirer. It's me. C'est fini, ils me font plus que des trucs excellents, je vais plus rien avoir à vendre. Il n'y a plus rien de mauvais. Ah, ça se vend. It's me. On va vendre une chemise comme ça et je vais te prendre tes deux médicaments.
Il est tout seul, lui, en fait, hein. Oh, allez, tiens, cadeau. Oui. Je suis généreuse. Scanner géologique. Ah oui. Bon, tu sais quoi, tiens, allez, fais des recherches à la con, on recherche les drogues, on s'en fout, j'ai des choses à faire. Ah oui, mais il peut pas être sous un toit en fait, c'est surtout ça. Hi. Attends, parce que. D'accord, mais est-ce que j'ai des gens dehors? C'est surtout ça la question. Est-ce que j'ai des gens sur qui ils vont pouvoir foncer? It's me, I. Anti-hero. Pause. Oh punaise! Je le savais. Courez! Ok. Oh non, mais pourquoi vous êtes quand même sortis? Alors, on achève cette chose, on achève cette chose. Lui, il est mort, on autorise la récupération. Il est mort. Il est mort, le soleil. Alors, architecte zone de base, on agrandit là, on rajoute ici et on vient éteindre ici. Allez, action! Sinon, je vous oblige. Oh putain. Yeah. It's me, I. Ah, là, il y avait un piège. Pause, j'en veux. Ça s'arrête plus. C'est le bordel. Oh, allez, c'est reparti pour un tour. On va laisser comme ça fait déjà pas mal de monde, on va espérer que ça suffise. Ah, le corps a brûlé. Ça.
999, ça non plus, évidemment, c'est pas chez moi. Wouah, pourquoi mon jeu lag comme ça? Il n'y a plus de feu, là, normalement. Non, il n'y a plus d'incendie, hein. J'ai une batterie qui a lâché. Est-ce qu'il me reste des composants, au moins? Oui, j'en avais vu, j'en avais plein. Je suis censée en avoir, hein. Oui, là. 46. Oui, on en a. Ça va. Ça va, ça va. Ça s'enchaîne, hein. J'ai une petite envie de faire une sauvegarde quand même, là, parce qu'on a bien enchaîné, hein. Radio contact. Alors, écran de recherche, continue les recherches débiles, me faut de l'or en fait. Ah. Après, là, après, je ne mettrai plus de recherche. Je voudrais tout savoir. Quand même fou, hein. Il est vivant, lui? Ah oui. Ok, bah non, t'es dit, je te fiche la paix. Les autres, par contre, vous allez moi chercher les cadavres d'animaux frais qu'on doit bouffer, que vous avez foutu là. Moi, j'ai la haine. Heureusement que je suis allée regarder. En fait, toute ma bouffe finissait dans leur machin de ces morts. Mais... Ah oui, non, c'est pas la bonne touche. De toute façon, on est sur une fin d'hiver, tout ce qui peut se bouffer, ça se bouffe, hein, on chipote pas. Bon, Lorenz, il est pas content. Alors, dis, je voulais vérifier où t'en étais, toi, parce que... Ouais, il te manque encore un doigt. Megatherium s'est laissé apprivoiser. Ah ouais, femelle. Pause. Pause. C'est quoi? Mâle, ah ouais. Qu'est-ce que t'attaques? Tu fais quoi? Ok. Ah. Ok, ça va, il s'est pris les pièges. Là, on est bien. Par contre, il y a un truc qui me casse les pieds. Personne n'utilise cette foutue porte, donc personne ne vient libérer ces foutus animaux. Pause. Alors, architecte, zone de base, éteignez-moi tous ce feu au lieu de faire les innocents. Bon, toi, tu éteins pas les feux, donc on s'en fout. Ou c'est Seb qui les éteint pas, je sais pas. Allez. Mmh.
quoi, non? Toi, toi. Non, non, mais vous avez mangé, vous retournez, hein. Gaëtan, s'il te plaît. Laisse pas le bébé aller se suicider. Merci. Parce que niveau animaux, on est ric-rac, là. Hein. Il me reste un mâle, il faut qu'il survive. La femelle, elle a fait une fausse couche. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose pour... Oh non, il va faire ça. Lorenz, non. Le seul qui devrait se plaindre, c'est Gaëtan, parce qu'il n'a pas la chambre liée à son rang et que je l'ai laissé prendre des rangs comme une débile. Mais non. L'autre débile, il va aller déterrer des cadavres. Voilà, c'est ça. Déterre les gens, toi aussi, hein. Piste. Si je te choisis... Enfouissement, dépêche-toi. J'en ai marre, je vais le tabasser. Il me casse les pieds, espèce de taré des îles. Bon, heureusement, tout le monde est réenterré. Freeze ici, Jackson ici. Jackson le bon bûcheron. Qu'est-ce qui est en lambeau? Ton casque. Alors, on va regarder ça tout de suite, dit. Prends sur toi encore quelques minutes. On va aller voir ça, pépère. Et quoi d'autre qui est peut-être un peu juste? Ouais, ça va le reste. Donc, il nous faut un casque pour dit. Pourquoi elle n'est pas allée changer d'elle-même? Je n'en sais rien. Il n'y a peut-être plus de casque, il y a des bonnets. Elle n'est pas d'accord avec le bonnet, peut-être. Équipe-toi d'un bonnet parce que ton casque tout pourri, là. Bah ouais. Bon! Il nous manque toujours de l'or, du coup. On va faire de la place et enlever un petit peu de tissu. Voilà, on va faire de la place avec le tissu, je vous le garantis. Oh, on n'en a que 430, on va pas aller loin en fait. J'ai prévu trop gros, hein, mais bon. Je pensais qu'on avait plus de tissu. En fait, le problème, c'est qu'on a 3 tonnes de thunes. Une ruche mécanoïde. Oh putain. Oh putain. Toi, ici. Là. Tout de suite. Cours! Oh putain, il y en a à l'intérieur aussi. Pause. Mets-toi là. Alors, Gaëtan, au taquet. Viens ici. Soléna, au taquet. Non, viens ici. Gaëtan, viens ici.
fait, viens ici, verte, t'as quoi? T'as une épée, donc oui, tu vas rester là au cas où. Lorenz, où es-tu? Troufignon de chieur qui déterre les cadavres, là, il est où lui? Oh ouais, t'es conne en plus. Et elle, bien évidemment, elle n'a pas écouté mon ordre ou c'est comment? Pause. Qu'est-ce que tu fais? Il est con. Quand on est con, on est con. Planque-toi. Et toi, le débile du siècle, oui, va te cacher. Est-ce qu'ils vont? Oui, il les avait pas encore repérés, hein. Si je vous libère, vous faites quoi? Toi, tu vas te soigner parce que t'as pris un tir. Toi, tu vas prier. Toi, tu vas prier. Toi, tu vas te changer. Je pense que pour l'instant, on est plutôt bon. Pourquoi ma musique s'est arrêtée? Non mais... Je suis pas d'accord. Allô? Mon téléphone, il a quitté mon application de musique tout seul, il veut plus rien faire. Je vais devenir dingue. Ah, c'est bon, on a géré le raid du coup. Oui, on est repassé en accéléré, donc tout le monde est bien libre. Alors, est-ce que vous avez été soigné par contre? T'as été soigné, toi? Ah oui, toi oui. Il y en a un des deux qui est soigné, mais pas l'autre. Non, on laisse crever le deuxième, hein. Chacun ses choix. Bon, remets ma musique, s'il te plaît. Me faut de l'or. Il me faut de l'or. On est au printemps, vous plantez quand? Du 6 avril mai, ok, on est le 4, je suis trop pressée. Ben voilà, on est le 4 et il replante. Bon, par contre, j'avoue que vous n'avez pas commencé par le plus important, hein, mais on fera avec. Alpaga, bouquetin. Étagne, bouquetin. Ça meurt. En fait, j'ai un alpaga qui s'est barré au moment où je voulais le buter, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de me dire. Ah mais non, mais il y en a un qui est en train de se suicider, en fait. J'y pense. On va quand même passer à 50 pleins un petit peu là.
Bon, ça tourne de nouveau et on va de nouveau pouvoir nourrir les animaux, logiquement. Donc, on n'aura plus besoin de les libérer. J'ai quand même eu peur pour le raid mécanoïde, mais ça va. Il était plus petit que ce que je croyais. Il n'y aura plus de sol dans ici parce qu'ils vont pas. Ah, quoique, si, ils mettent direct le tapis avec un peu de chance. Non, on va tomber à court. On n'a plus de tissu. Ils vont se retrouver avec la moitié de la maison sans sol. Bon, peut-être que je range l'argent ici. Que ça prend beaucoup de place, hein, la thune en stack de 500. Ouais, la thune, ça stack que par 500, hein. Et le reste, 75. On peut avoir des vendeurs, s'il vous plaît. Arrête de nettoyer ce qui n'est pas à nettoyer et fais pas le con. C'est dommage que sur console, on peut pas interdire le fait que ça remet des zones de base tout seul. Sur PC, tu peux l'empêcher. Sur console, on n'a pas le droit. Lag motion. Come on, baby, hold the lag motion. T'as pas encore commencé à replanter le... Crise de boulimie de Gaëtan. Allez, c'est reparti. On va compter. Là, pour le moment, il joue, il est sage. Hein. Et un grossiste, pause. On va surveiller Gaëtan en même temps. Premier plat? Non, même pas, il continue à se promener. Alors... On l'a pas avec ta poule, c'est pas ce que j'ai demandé. On va vite atteindre ce qu'ils peuvent acheter, hein, je pense. Come on, pull like a machine. Bon, il y a un casque aussi. Ouais. Je le savais. J'en ai vu se changer, donc normalement j'ai peut-être des trucs qui sont plus bons, mais... Je peux arriver en bas, voilà. Alors... On s'en fout, à peu près.
Ah, j'ai peut-être plus de neutroamine en fait. Faut ce qu'il faut, hein, les gens. On dépense un peu de thunes, on en a tellement. Au hasard d'un premier. Ok. Pour le moment, il a toujours pas mangé, hein. Ça va pas tarder, je pense, mais. Donnera un premier rang. Ça y est. Et de 1. Oh, il est sage aujourd'hui, Gaëtan. Et de 2. Et de 3. Il a été sage toute la nuit et maintenant que le jour s'est levé, il est parti. Pause. Dis, on va en profiter parce que je sais que t'étais pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je vais retourner sur Gaëtan. Ok, je sais que c'est mieux qu'elle ait un casque. 4. La raison et le tort qui nous mord dans le cou. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une bière. Est-ce que ça compte? Bah, il a fini. 4 plats et 2 bières, je pense. Alors ici, ok, comme ça Gaëtan va pouvoir aller faire ça. Attends, merde. Alors ça dégage, ça dégage. Oh non, hache de brèche. Attends, elles sont. Non? Qu'est-ce que tu vends exactement? C'est le contraire d'un jour voyage. Je vois rien du tout. Il a pas d'or. Oui. La Macarena. Voilà. Vas-y, fais une belle statue pendant ton illumination artistique en jade. On la mettra dans ta chambre. Ardoise, bon. Marbre, bon. Marbre, normal. Oh, tu vas dégager, toi. Un cracheur toxique contre rémunération. Va te faire foutre. Alors si ensuite il y a quelque chose que j'avais pas vu. Rappeler pourquoi l'hiver a pas été violent, me semble. Ils sont où? Je les ai pétés ou pas?
Il me dit qu'elle est active, mais il n'y a plus rien. Je l'ai pété, ce truc-là. Non? Je l'ai pété. On va renvoyer parce que je sais plus. Je crois que la quête en plus pour le monument, là, elle va être finie. Putain. Elle est finie. Tout d'un tout para la vie et cosa buena. Ella pupuna la vie macarena. Et macarena. Allez, enlève-moi tout le toit. Tudem tu para na levi e cosa buena, ella pupu na levi e macarena, e macarena. Tudem tu para na levi e cosa buena, ella pupu na levi e macarena, e macarena. Ça craint parce que celle-là, du coup, elle n'est pas alimentée en fait, je viens de voir. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. On va la faire comme ça. Par contre, attends. C'est un petit peu trop près de tout. Voilà. On va éviter que ça foute le feu à tout. Et en effet, à part du métal, on n'aura rien trouvé là. Il nous reste une, deux, trois zones où ils doivent aller miner. C'est pas gagné. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Pas besoin de projet de recherche, elle va aller chercher après les minerais. Gaëtan a terminé. On va aller voir ça. Je sais, j'ai tout gâché. Bah, ah. Oh, nickel, bien ouais. Et ton côté perdu de ton dos. Et la peau de ton dos. Le reste de ton dos. J'ai marre d'attendre à chaque fois qu'il décide à faire les trucs quand je suis en mode faites-le. Le reste, je te le laisse.
Pourquoi j'ai un lampadaire qui traîne? Le reste, je te le laisse. Alors, c'est censé être Soléna qui est à la recherche. Oui, c'est ça. Et la peau de ton dos. D'accord, gêne en aucune manière. Qu'est-ce que tu vas faire après en fait? C'est bien, c'est tout ce que je voulais. Du boulot, hein. Comme le métal, on n'en manque pas pour l'instant. C'est tout? Oh. Elle s'arrête vite, hein. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je me disais bien que j'avais annulé un truc qu'il fallait pas. Il me faut toujours de l'or. Au secours. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. I need to come alone. Alors, un tenancier de foyer de 48 ans appelle d'une zone voisine. Il dit qu'une meute de 4 grisis chasseurs d'hommes lui court après. Je vous supplie de l'aider à rejoindre la colonie. Si vous acceptez, les 4 grisis arriveront dans une heure. Ouais, mais je sais pas ce que tu veux. J'ai pas envie. Je veux pas quelqu'un que je sais pas ce qu'il vaut. Scanner sous terre, acier, dommage. Ben, ça tourne tout seul, hein? Vêtements en lambeaux. Qui? Quoi? Encore un casque. Vous êtes trop con que pour réussir à aller prendre un putain de bonnet propre.
crois que tout le monde est à l'intérieur. Va y avoir de la viande. Touk 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 touk. Merde. Pyromane. Maintenant. Bon, bah, ils auront dormi, donc normalement, après, ça devrait être bon. Et on a de la bouffe qui est arrivée chez nous. Ok. Oh la connasse! Connasse. Elle l'a tabassé, hein! Putain, si tu lui as niqué des choses, ça va mal finir pour toi. Et il y en a une qui va finir vendue, hein, si elle casse trop les pieds. Moi, je le dis. Tu vas dégager. Si tu fais chier à tabasser tout le monde comme ça, je vais péter un plomb. Putain, t'es le seul qui se bat pas en plus, hein. Fracture, contusion, contusion, fracture, fracture, fracture. Tu sais faire quoi, toi, que je t'ai récupéré? T'es utile, au moins? Même pas. Je vais te foutre à poil et je vais t'emprisonner, tu vas voir. Sérieux quoi. Alors, on va faire les choses intelligemment cette fois. Ici, on n'autorise pas les produits frais et on autorise les carcasses d'animaux. Transportez-moi ces chiens pourris. Casser les couilles aux gens. Bah tiens, regarde, c'est toi qui vas le faire. Allez, va voir des cadavres. Non mais sérieux, coucou Lucas, comment vas-tu? Nouma, nouma, yé. Nouma, 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 yé. Non mais oh. Par contre, c'est un peu du foutage de gueule, là. Transporte le chki. Transporte la bouffe. Transporte la bouffe. Transporte la bouffe. Transporte la bouffe. Que les autres trucs, ça prenne du temps, mais pas ce qui est, pas ce qui est bon à manger, bordel, on a besoin de viande. Ça va, ça va. Il y a un perso que j'hésite à bannir ou à vendre. Parce qu'en fait, elle cherche misère à tout le monde. Elle se tabasse avec tout le monde. La dernière fois, elle s'est battue avec Lorenz. Là, elle vient de défoncer Kraft. Elle s'est déjà battue avec Seb. C'est pour ça que Seb l'aime pas. Elle m'énerve, tous les deux jours, elle tabasse quelqu'un, elle le met à terre en sang. Éruption solaire, plus d'électricité. Génial! On est gâtés. Et Solena, du coup, ne peut pas chercher. Come on, come on.
m'a dit, elle a du boulot, Lorenz, il est censé faire la même chose. Non, il en reste encore deux, hein. Que bueno, que bueno, que lindo, Paris Latino. Et quoi, t'as vu mon petit message sur Discord? L'éruption solaire est terminée. J'ai écrit un petit message pour vous prévenir que ce serait vendredi matin, parce que mon homme ne travaille pas jeudi. Et alors, est-ce que toi, t'as déjà pu faire un test, voir si ça tournait sur ta console, et vendredi matin, à partir de quelle heure tu serais dispo? Parce que je veux pas lancer trop tôt comme la dernière fois et me retrouver toute seule pour tout mon stream. Pirate avec un suppresseur psychique. Quoi ? Les pirates ont installé un avant-poste pour vous harceler. Bon, au moins c'est pas loin. Alors. Que lindo sta. Il y a vous, il y a moi et pop. Alors, attendez, non. Déjà... Comment je fais encore pour annuler cette chose? Ah, voilà. Ok. Alors, Lorenz, Belzebub, Solena... Solena, elle va rester à la base. Ah, quoique... Non, c'est Gaëtan qui va rester à la base. Edith, il va aussi. Allez. Du coup, elle est pas gestante, aucune des deux, donc on prend les deux. Je crois qu'on a besoin de quelque chose ici. Alors ici, des plats. Juste pour dire d'avoir de la bouffe avec, alors par contre c'est pas la priorité. C'était comment encore? Ils ont pas besoin de salle de couchage. Allez, allez me défoncer ces enfoirés. Cette pirate, vous allez voir, ouais. Non, même pas. Donne-moi le nom du jeu, je te l'écris. Et il est dans le Game Pass. Ah, ça va, on est mardi, t'as encore un petit peu le temps, hein. Ouais, de rien. Ah, c'est moi qui te dis merci, parce que du coup, tu dois installer un jeu pour voir s'il fonctionne ou pas, pour voir si on pourra jouer ensemble dessus. Je voulais en parler avec Dragon aussi, mais comme il est pris sur Monster Hunter World et que j'ai pas eu de réponse, je suppose qu'il a pas vu mon message. Pourquoi vous démarrez pas? Qui est censé partir, Edor? Foutre de ma gueule. Il y a quelqu'un qui est parti au lit. Oui, c'est clair. Et les deux autres, du coup, ils vont aller dormir, mais ils vont se réveiller, les autres, hein. On va dormir une heure, hein. Bon, vous y allez ? Je sais pas qui c'est qui fait chier.
Ça y est? Pour de vrai? Parce que là, Ok, ils sont partis. Ils vont arriver dans 30 secondes, à mon avis. Bon, ça, on peut jouer avec le cloud. C'est-à-dire que tu le charges pas sur, sur ta console, tu le télécharges pas complet. Mais... Ah! Alors, où est-ce que je suis apparu sur le bord de map? Là. Il y a des tourelles, mais pas là. Voilà. Attaque-le, elle est conne, elle s'est juste déplacée, quoi. Bon, tu le tapes ou tu joues? Oh putain, elle se prend tous les tirs du monde, hein, du coup. Il a tout tabassé lui parce que t'es un peu mal là. Elle va tomber. Allez-moi cette merde! Putain. Mais vous savez pas viser?
la tourelle. Allez! Oh putain. Ils vont y arriver ou ils sont débiles à ce point-là? Je veux pas attirer l'attention de la tourelle, que Selena puisse sauver les gens et puis soigner. Il est tombé, espèce de teubé du... Putain. Génial, j'ai tout le monde à terre. T'es blessé comment, grande? Que j'ai demandé. Non. Soigne-la. Attends, t'es plus psychotique là. Si. Alors, mort dans 8 secondes. Oh. Ok. 10h41. Allez, on recharge. Ça, c'est plutôt pas mal. On va lancer l'attaque différemment, hein. On va la lancer pareil, mais on va pas faire la même chose une fois sur place. Oh, 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 jolie poupée, santé. Putain, compliqué, hein. Ce qui m'ennuie, c'est que Selena est devenue psychotique, en fait. Du coup, c'était compliqué de sauver les gens. Ça y est, la caravane est partie. Bon, en tout cas, ouais, voilà. Ça va pas tarder. On refera une sauvegarde une fois arrivé sur place.
Alors, est-ce qu'on arrive exactement de la même manière? Non! Déjà, on n'arrive pas du même côté. Ok, déjà cette fois on en a tué un, pause. Alors Seb, tu reviens ici. Lorenz, tu reviens ici. Solena, tu recules là. Et Belzébub, ici. Alors, dit, il va falloir être efficace. J'ai pas le temps de la bouger. Non, tirez pas sur votre allié! Mort dans 22 heures. Alors. Elle est au même endroit, donc on va faire un tour assez large. Je dis assez large. Chopez pas la tourelle, s'il vous plaît. C'est un peu chaud en fait. Je sais pas où en est Solena du soin. Elle va plus mourir déjà. Donc, hop, soigne-moi elle en priorité. Ensuite, les trois autres. Si vous étiez pas débile, vous auriez déjà commencé. Bon, en fait, déplacez-vous là, sinon vous n'allez pas la voir. Alors ensuite, qui a la malaria? Merde, laissez-moi retourner sur l'autre. Je suis un peu occupée quand même. Ok. Laisse en pause.
On va faire plus simple. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Soléna, t'en es où? Ok, elle va aller la soigner, donc c'est bon. Je vais faire une petite zone de stockage ici, comme ça ils mettront les trucs là. Désinstaller. Mais j'ai pas revendiqué l'intérieur en fait. Là, il n'y a rien à revendiquer, je suppose. Non, ok. Alors. J'ai 2 blessés sur 5, donc c'est bon. Donc ça, on demande de le désinstaller. Ça, on autorise. Ça, on désinstalle. Ça, on démolit. Et ça, on désinstalle. Ça se récupère. Alors ensuite, toi, hop, ça, les cadavres, on s'en fout. J'ai oublié de faire ma sauvegarde en arrivant sur place en plus, hein, je viens de tilter. Heureusement que j'avais dit que je le ferais. Déjà, elle va plus mourir. C'est bon, on peut laisser défiler le temps. Il n'y a plus personne qui va mourir. Je suis contente. Alors, on va attendre un tout petit peu. Juste le temps que ça se soigne. Qu'est-ce que tu fais, Soléna? Tu te soignes? Dis, tu fais quoi? Elle est tellement en forme, elle s'en fout. Soléna, t'as pas fini de te soigner, toi, hein, grande? Ah, je me disais bien! Oh la vache. Les maladies, infections, c'est pas toi par hasard? Non. Contusion, fracture, il reste une fracture et une autre à soigner chez elle. Est-ce que c'est toi qui as de l'infection, dit? Oui. Infection légère au bras. Dis, du coup, j'ai dit, dis, va te reposer, comme ça, dès que Selena a fini de se soigner, elle viendra te soigner. Désolée, j'ai arrêté de regarder le chat, c'était un enfer. Il y a Belzébuth qui allait la soigner. Alors, lièvre enragé, il est mort, maladie, infection, c'est bon. Alors, on va sur la carte du monde, on met pause, former la caravane pour rentrer à la maison. On confirme la route, on reprend tout le monde, on emmène les 2 Mufalo. Ici, on emmène le composant. Le plastacier, c'est comment? Ah, voilà, c'était comme ça. Voilà. Les lampadaires, parce que ça se revend. L'extincteur à mousse, parce que ça sert. Et la mini-tourelle aussi. Le fusil à pompe et le pistolet mitrailleur, ça se revend. Le reste, je m'en fous. Et là, on emmène tout. Allez, zou! Retour maison, les enfants. Oh, viens pas lui causer, elle fout la merde avec tout le monde, elle a une malaria insignifiante. Enfin, quoique tu l'as soignée tellement mal que elle risque d'y passer, hein, la malaria. Ah, ben j'avoue que si ça se trouve, si le téléphone, le jeu, le Monster Hunter, tu peux le jouer depuis le cloud, logiquement. Ça devrait pas laguer. Je dis bien logiquement, évidemment.
on s'en est sorti, ça mérite une petite sauvegarde, ça. Ouh! Psychotique, Lorenz. C'est pas grave, on est à la maison maintenant. C'est quand ton prochain soin, toi, la casse-couille? Oh, on a le temps. Dis, ton infection, ça dit quoi? 47, 56. Bah, même en extérieur, elle a un meilleur soin que l'autre sur sa malaria, la con. Tout va bien. Tout va très bien. Pourquoi tu me montres mes trucs de point de chaîne? Je m'en fous. Ah ouais, je viens de me rappeler. Ouh, mauvais bouton. Du coup, ça veut dire que l'extincteur à mousse est déjà posé là et que je l'ai pas vu. Déjà, il y a la tourelle ici. Au cas où, ça repasserait par les murs, au moins c'est mis. J'avais un extincteur à mousse. Je l'ai ramené là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, je vois qu'il y a de quoi chasser là. Je les vois se promener. C'est ma nourriture. Ouais, elle est repassée au-dessus aussi, c'est bon. Tout le monde va s'en sortir. Par contre, pourquoi dit travail? Je t'ai enlevé le soin en priorité. Ouais, bah ouais. Je le savais. Parce que les gens se reposaient trop. Non, bah lui, il ira pas. Oh non, sérieux. Oh, c'est le chauffage qui a pété. Moi, t'auras pas de chauffage. Keep me safe. Ah non, t'étais en 4, toi, oui. Do we not keep me safe, baby?
toujours là, Lucas? Ou t'y es plus là? Mais l'été est arrivé, on n'a pas du tout fait de stock de riz sur le printemps, surtout que les gens qui faisaient ça, ben, ils étaient pas là. On n'était pas fatigué du tout en fait. Viens refaire un lit. C'est qui a plus de lit du coup? Hold me, hold me, hold me, hold me. J'ai raté un truc là? Ah ouais. Se cache dans sa chambre, Selena! C'était la chambre de qui ça? Qui a plus de lit? Là j'ai Selena et là c'est Lorenz. Selena, Seb. Bon, ils ont pris une autre chambre du coup, je suppose. Kraft. Belzébus, personne. Je crois que c'est Verte qui a plus de lit. Je crois, hein. Je sais même pas où elle est. Il est 3h du matin, elle tourne en rond. Pourquoi pas? J'en ai deux qui sont décalés complets. Cinq heures du mat, elle va se coucher. Je sais pas, ils sont décalés. J'ai un souci là. Ben non, ils sont bien cadrés pourtant. Beau, 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 beau. Bon, du coup, les copains, c'est là qu'on va s'arrêter. Moi, je vais vous abandonner là. C'était franchement pas mal. On a bien avancé et on survit toujours. On a dû quand même faire un reload. Parce que l'attaque extérieure, j'ai fait la bourrine, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, on a reload qu'une fois. Et c'était pas, ça aurait été pour Gaëtan, j'aurais reload d'office. Mais là, Gaëtan, j'avais pas pris le risque de l'emmener avec et j'ai bien fait. Et on a quand même réussi la mission. Bon, du coup, les loulous, moi, je vais vous souhaiter à tous un bon mardi. Et puis, l'épisode sortira sur YouTube sûrement d'ici un ou deux jours. Et puis, moi, je vous fais plein des bisous. Et je vous dis tchou tchou tchou, les loulous.